Il était temps. Le chemin de fer du Mali, à l'arrêt depuis le 18 mai 2018, vient enfin de reprendre du service. Le chemin de fer du Mali fait partie des infrastructures clés du pays depuis de nombreuses années. Il relie la capitale à d'autres villes du pays et à des pays voisins comme le Sénégal. Cependant, depuis le 18 mai 2018, le chemin de fer était à l'arrêt, causant des problèmes économiques dans les localités concernées. Le président Ibeka avait présenté un plan d'urgence de reprise du trafic ferroviaire en 2019. L'objectif était de permettre la relance du développement économique pour les localités concernées. Après plusieurs années d'efforts, la relance du chemin de fer a eu lieu finalement ce vendredi 9 juin 2023 grâce aux autorités de la transition. Cette initiative de la relance du chemin de fer est une excellente nouvelle pour le pays. Elle permettra d'améliorer l'accessibilité à des localités éloignées, mais aussi à stimuler le développement durable du pays. Espérons que la reprise du trafic ferroviaire se poursuivra et aura des effets positifs pour les habitants et le pays dans les années à venir. Les chemins de fer sont un élément clé dans le développement d'un pays. Ils peuvent améliorer l'efficacité du transport des marchandises et réduire les coûts, faciliter la mobilité de la main-d'œuvre, contribuant ainsi à l'amélioration économique et sociale du pays.